C'est-à-dire que l'homme qui arrive dans un pays et puis elle est à l'aise jusqu'à... c'est image ça là. Les images même parlent d'elles-mêmes. Les images parlent d'elles-mêmes. Ah! Il y a une seule personne qui m'a fait aimer la Guinée qu'on a cru jusqu'à... Il n'y a pas de mots. Ah, Jelly Kababintou. Jelly Kababintou. Eh, Bintou. Mon amour Bintou. Mon cœur Bintou. Mon bébé Bintou. Mon un côté Bintou. Mon poumon Bintou. Mon pancréas Bintou. L'amour de ma vie Bintou. Mon bébé. Mon cœur. Mon amour. À ta santé, je bois mon amour. À ta santé, je bois mon cœur. À ta santé, je bois ma vie. Oui, tu fais partie des personnes dorénavant qui me coûtent cher. C'est toi parce que tu es une pelle rare. Appelez les Guinéens, vont se connecter, s'il vous plaît. Appelez les Guinéens, vont se connecter, s'il vous plaît. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne savent pas qui ils ont dans leurs mains. Appelez les Guinéens, vont se connecter. Ah, mes élus. J'ai dit que j'avais la rage de vous expliquer. Ah, Péric, il est debout. Qu'est-ce qui vient devant? J'avais la rage de vous expliquer. Je dis, j'étais fatigué. Je suis arrivé hier, j'étais fatigué. Il dit, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. Je vais faire story time, mais ça sera long. Le temps de coller, 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 coller pour poster là. Moi, je ne sais pas faire tout ça là. Ah, mettez le drapeau de la Guinée, s'il vous plaît. Mettez le drapeau de la Guinée, s'il vous plaît. Ah, mes élus, mettez le drapeau de la Guinée. Mettez le drapeau de la Guinée, mettez-le. Je vais vous expliquer. Qui fait du bien à votre artiste, fait du bien à vous-même. Ah, mettez les cœurs. Mon amour, mon bébé, Jelly Kababintou, ma vie, mon écoté. Ah, Bintou, 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 Bintou. Eh, je suis amoureuse d'elle. Je suis amoureuse, je bois à ta santé, mon amour. Mettez le drapeau de la Guinée. Mettez le drapeau de la Guinée à gogo, à gogo, à gogo, à... Seigneur Jésus, je n'ai pas frappé à la mauvaise porte. J'ai frappé à la bonne porte, j'ai dit. J'ai frappé à la porte qui ne dit pas son nom. J'ai frappé à la lumière. Attendez, je vais boire un coup. Tata, faut lui donner glace et qu'on est là. Pardon, à cause de Dieu, j'ai fait ma vidéo. Pardon, tata. Tata, c'est son papa qui a payé. Faut lui donner. Est-ce qu'on va lui donner glace et qu'on est là? Mes amours, tais-toi, tu vas la suivre. Faut pas vous aller m'emmener. Je suis à cause de vous, mais je dis, je ne fais plus enfant. Mes amours, mon séjour en Guinée était phénoménal. Ce n'est pas la première fois que je vais là-bas. J'ai déjà vécu même 5 ans avec ma famille. On a fait Nzérékoré, on a fait quelques villages de la forêt. Piné, Lola, Manon, Kwankan, Kwankan, Nona. On a fait beaucoup en tout cas. On était des réfugiés en 2002. Quand on a fui la guerre de 2002 là, mes parents et moi, on était là-bas en tant que réfugiés. La terre guinéenne nous a acceptés. Parce que moi-même, ma maman est blessée. Ma maman est guérée. C'est-à-dire les blessés, les guérés, là, c'est pareil. Donc, ma maman a ses parents qui vivaient en Guinée forestière, là-bas. Donc, quand on a fui la guerre en 2002, là, c'est là-bas qu'on s'est réfugié. Et ils nous ont accueillis. Et je vous assure que dans la cité des réfugiés, là, quand on dit ballet, on dit danse, on dit chanson, on dit quoi? C'est nous, la famille Layola, on nous prenait pour faire tout ça. Quand bien même qu'on était petit, petit. Après la crise, on est revenu à Man. On est revenu chez nous. C'est là qu'on est resté. La Guinée nous a accueillis. Nous, là, on n'a jamais eu faim en Guinée. C'est-à-dire, toutes les fois où nous, on se levait, on partait dans le champ de quelqu'un, on partait couper le riz. Avec ma maman, mes frères, mes soeurs, partait couper le riz. Moi, j'étais encore petite. Partait couper le riz. Quand il dit petite, c'est pas petite, petite, petite que vous connaissez. Donc, je veux dire qu'on avait pitié de moi. Je ne pouvais pas voilà, faire les gros travaux. Donc, quand mes frères partaient couper le riz, les mamans-là nous donnaient aussi en contrepartie pour manger.
Mais ce travail, il ne donnait pas à tout le monde. Il ne nous maltraitait pas. Ce n'était pas un travail où on nous maltraitait. Oui, c'est comme si toi, tu t'en vas chercher à manger pour tes enfants. La guidée nous a accueillis. Et ça, là, ne faisait pas à tout le monde dans le camp. Ce n'est pas tout le monde qui avait ce privilège-là. Ils ont accepté ma maman telle qu'elle était, avec ses nombreux enfants. On a fini, on est revenu en Côte d'Ivoire. Et moi, je repars à Nzérékoré. Je repars à Nzérékoré pour un concert que, comment on appelle ça, mon frère Alice Doré organise. Et le concert fait bim. Quand on finit, il me rappelle en Guinée-Conakry. Je pars où j'ai un concert à moi seul. Où j'ai un concert à moi seul. On a fait le concert, ça s'est très, 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 très bien passé. J'ai eu des contacts là-bas. Mais cette fois-ci, là, les contacts que j'ai encore eu, c'est trop. Les contacts que j'ai encore eu, c'est trop. Hey, taisez-vous, hein. Quand il y a Dieu dans ta vie, là, tu ne peux pas taper poteau. Quand je suis partie en Guinée-Conakry pour la première fois, de répondre au moins à qui? Écoutez ce que j'ai dit là, laissez, je ne suis pas en train de lire les commentaires. Où. Mes élus sont là. Mes élus sont là. S'il y a un mauvais commentaire, puis amassez-les. Donc vous voyez, je pars pour la deuxième, pour la première fois en Guinée-Conakry. Je suis encore Alice Doré qui m'envoie là-bas pour mon concert. Là, je pars croiser Tata Rita Fashion. Vous avez vu ma tenue que j'ai portée là. Ma tenue que j'ai portée quand je suis la scène deux jours là. Voilà, c'est Tata Rita Fashion. Donc je pars voir Tata Rita Fashion. Pour la première fois, elle me voit. Elle dit, tu es blessée ou bien? Si vous ne restez pas tranquille, vous allez aller au salon, elle vous enfermer. Tata Rita m'accueille comme une partie d'elle. C'est quoi elle m'a pas donné? Habit, manger, tout ce que je veux manger. Elle me donnait. J'ai croisé encore plein de personnalités là-bas. J'ai dit, les gens qui me donnent l'argent comme ça, mais tu vois, tu les regardes, tu sens que c'est un peuple qui n'a pas peur de dépenser. C'est un peuple, quand il t'a mis ici, c'est fini, c'est fini. Mes parents là, ils sont pas normaux. Mes parents là, ils sont pétés. Mes parents là, ils sont pas normaux. C'est-à-dire que pour la première fois, ils m'ont vu là. Ils m'ont fait comme ça. On dirait une poule avec ses enfants. Ça, c'est l'étape 1. La deuxième fois, il organise un concert, Jelly Kababintou, avec Rosine Nayo. D'abord, pour ma première aller là-bas, j'avais dit dans une interview que je l'aimais bien. Si j'ai la possibilité de faire un feat avec elle, je vais le faire. Mine de rien, là, c'est ma grande soeur dans le métier. Parce qu'elle a commencé avant moi. Voilà, c'est ma grande soeur dans le métier. Peut-être qu'en âge aussi, elle est ma grande soeur. Parce que vous la voyez mince comme celle-là, là. C'est pas une petite fille. Vous la voyez, elle a la forme de Beyoncé. Elle est tikiriti, petit modèle là. Elle est petit modèle là, c'est pas une petite fille. Donc, peut-être que si on voit bien, c'est quelqu'un qui va faire la trentaine un peu, beaucoup, beaucoup là-bas. Voilà. Vous voyez? Qui dépasse même, qui est dans la trentaine, mais trentaine jusqu'à 33, 30, jusqu'à au bout là-bas. C'est pas un enfant. Donc, je ne connais pas son âge. Donc, le gars, il lance le concert. Je n'ai aucun contact avec elle, ni avec son staff. Le simple fait que la dame a vu ma vidéo et que j'ai dit que s'il y a la possibilité de faire un feat avec elle, je vais le faire. Maman, ça aurait été quelqu'un là, la personne sera guindée comme ça. On se connaît? On se connaît? Les gens, quand ils ont un peu de nom, on ne peut pas respirer là. Les artistes, quand ils ont un peu de nom, on ne peut pas respirer. Quand ils demandent, quand les gens leur demandent fit, on ne sait pas. Ils veulent se transformer. Ils commencent à se guinder si toi, pour gens, comme si c'est toi qui es trop leur dieu. Si tu as demandé fit, genre, lui, il va soulever tout ça, sa manière pour te donner. Toi seul, tu seras la lumière. Lui, il sera en bas là. Quelqu'un qui a commencé avant moi, depuis Matouzalem, qu'elle a entendu là, il dit quand je suis arrivé, ma coiffure, la fille a géré. Je veux dire ici merci à J-Shopping. J-Shopping qui est une maison de perruques. C'est-à-dire son numéro 1 en Guinée-Conakry. Et c'est eux qui fournissent toutes les perruques de Jelly Kababintou là. C'est eux qui la fournissent ou bien lui, je ne sais pas. En tout cas, c'est eux qui lui donnent. Vous voyez, quand vous la voyez belle, elle a les mèches de qualité, de waouh, de bim, de hey. C'est eux qui fournissent ça à Jelly Kababintou, J-Shopping. Vous voyez, elle a sa maquilleuse. Elle les a appelés. Elle a appelé le coiffeur. Et puis le propriétaire s'est déplacé. Ah, si quelqu'un ne t'aime pas. Elle a exigé que le propriétaire se déplace
pour venir à mon hôtel pour me poser la perruque, la wig que vous avez vue. Une perruque de overline. Une perruque pétée de malade. Le monsieur s'est déplacé avec son équipe. Ils sont venus me poser la perruque. Le make-up. Je lui ai dit, hey, bébé, moi, mon visage, là, c'est trop compliqué. Pourquoi vous riez fort, fort comme ça? Est-ce que regarde-moi les commentaires, ça chaîne. Arrête de regarder les vidéos n'importe comment. Regarde les commentaires, s'il y a un truc dedans, je vais te... Tu l'es bien, ma. Et elle me dit, je dis, ah, bébé, elle me dit, mais tu as besoin de maquilleuse. Je dis, ah, bébé, moi, mon visage, là, c'est compliqué. Donc, ça fait que c'est moi-même, je me maquille tout et tout. À cause des produits, parce qu'il y a des produits, quand j'utilise, ça me donne des gros boutons, mon tout et tout. Ici, là, on voit pas chose. Quoi? On voit pas commentaire. Pourquoi? C'est parce que tu as gâté. Vous là, si ce téléphone n'a casque, comment je peux faire pour Roseline là, officielle? C'est parce que c'est... Voilà. Aïe, mais les commentaires ne viennent pas ici. Comment je fais? Mais c'est quoi ça? C'est le même compte. C'est le même compte. Comment c'est pas? Impossible comment? Moi, il y a des choses, je ne supporte pas. Il y a moins les choses comme ça. On t'a vu dans le téléphone. Oui, mais avec ça, si le téléphone est contre le père. Si tu ne vois pas, il faut laisser le temps passer. Merci beaucoup. Donc, le propriétaire de J-Shopping se déplace avec toute son équipe. Il vient me poser ma wig. J'ai dit, je suis belle comme Jaja. Quand elle finit, elle m'envoie la maquilleuse. On appelle la fille, elle est numéro... Elle est parmi les numéros 1 en Guinée-Conakry. Elle s'appelle la même... On appelle sa structure la même magique. Donc, si vous voulez en Guinée-Conakry là-bas, pour celle... Et puis, elle n'est pas chère, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle n'est pas chère. Pour les stars qui se déplacent en Côte d'Ivoire ici, au Mali, au Burkina, les stars qui quittent en Europe, partout, si vous avez besoin des mèches de qualité, 1... C'est J-Shopping. 2. Pour le maquillage. J-Shopping, là, il vous pose la perruque. Il vous fait la customisation. Il fait tout. Voilà. Il y a J-Shopping pour le make-up de waouh, le make-up de star. Le make-up, quand tu as sorti, ils ne vont pas te reconnaître, là. C'est la même magique. La petite fille, là, elle n'est pas normale. La fille, là, elle est pétée de overline. Donc, elle m'envoie sa maquilleuse. Sa maquilleuse me fait bim. Je dis, quand elle finit, vous avez vu les photos. Vous avez vu les vidéos. C'est son vidéoman ou bien vidéographe ou bien... Prenez un pour laisser un. Le nom que moi je connais là, c'est Nova. Mais il a sa page. Si vous partez sur mon Facebook, vous allez voir, je les ai tagués eux tous. Il a sa page. Mais le nom que moi je connais, c'est Nova. Elle m'envoie. Non, ce que je suis en train de vous expliquer là. Ne regardez pas. On est 3600 personnes connectées. Hein. Ne pensez pas que... C'est genre la blague. Hein. Les artistes de nos jours, je dis qu'ils sont guindés là, la fille là, c'est qu'elle m'a montré là. C'est qu'elle m'a montré là, Yad. Mes galons, mon peu de galons que j'avais là, j'ai pris comme ça. Et puis j'ai déposé. J'ai marché dessus. L'humilité va la tuer. L'humilité va la tuer. L'humilité va la tuer. C'est-à-dire que moi, mon humilité, vous me voyez, vous dites que, hé, hey, Rosé, tu es simple, tu es tant. La seule chose, est-ce qu'elle ne parle pas beaucoup? C'est pas une fille qui est beaucoup bavarde ou bien quoi. Elle ne parle pas pour ne rien dire, en fait. Hé, hey, allez-y, avoir pistolet, vous voulez tuer la nation dessus là. Allez-y, ça! Le nien. Ah, ma pote, ça capite que ça y a ou, même chama ou à Brian. Allez-y, derrière là-bas, où les bobs là étaient là. Prenez tout, allez-y là-bas. Brian, faut pas me manquer de respect. Tu n'es que au CE1. Hein. Tu connais la souffrance que j'ai. Les enfants là, je ne sais pas ce qu'ils veulent me faire aujourd'hui. C'est qu'ils n'ont qu'à me. On les a envoyés. C'est ça que j'ai remarqué. Quitter à l'école, la vérité, on n'a qu'à venir énerver normalement. Hein? Ça là, s'ils sont trois, ils sont quatre. Ici, motte. Donc la dame m'envoie toute son équipe. Ils finissent de me faire et tout le monde a vu le résultat. C'est-à-dire que on a su que derrière elle là, il y a une équipe compétente. On a su que derrière elle là, il y a une équipe de waouh. Je dis qu'elle a fini là pour tuer même pour clôturer tout même. Regarde comment elle va préparer, me demander qu'est-ce que je veux manger. Préparer, manger là. Façon mes musiciens m'ont inquiété si manger là. Même le promoteur Alice Doré.
Même le promoteur, tout le monde m'a inquiété si manger là. J'ai dit que, ah, vous n'avez pas honte. La fille là va préparer pour venir donner à sa soeur l'amour de sa vie. Et vous allez m'inquiéter si manger là comme ça. J'ai dit, mais franchement, je veux demander ici à toute la Guinée. À toute la Guinée, vous avez une pelle rare. Vous avez une pelle rare. Vous avez une fée dans votre main. Vous avez, regarde, le nom Diva là n'est pas Diva qui veut, mais on est Diva qui peut. Hé! Hey! Ah, la fille là, il n'y a rien. Il dit, c'est un modèle. C'est un modèle, c'est un monument. C'est un modèle. Quand je la regarde comme ça, j'ai envie d'avoir son cœur. J'ai envie d'avoir son cœur en si peu de temps. Ce que Jelly Kababintou, moi, m'a montré là, j'ai dit, maman, s'il fallait que moi, il me couche, tu as marché sur mon dos, il le fait. Je vais le faire. Il y a des gens comme ça qui existent dans ce milieu de showbiz là. Il y a des gens comme ça qui existent. Tu veux qu'on bloque ton live, même si tu les lettres. Hein? Oui, si je fais mes lettres, les chiffres, vous allez qu'on me passe. Qui entend de mes chiffres dans live là? Vous voulez qu'on me bloque, mais Dieu qui est Dieu va vous détruire. Je connais pas où. Ma fille dit qu'il y a quelqu'un qui entend mes chiffres dans live là. Sois brisé. Petit Cola, mon amour, je t'aime. Vous comprenez? Qui entend mes chiffres? Attends. Vous voyez ce que les gens sont en train de faire? Comment on fait pour les bloquer? Pardonnez, aidez-moi, je vais les bloquer. Attends, SO. Il se devient amusé. Bloqué. Attends. J'ai bloqué un d'abord. Attendez, mes amours, je reviens. C'est devenu amusement, non? Je vais vous montrer que je suis quitté à l'ouest demain. C'est pas grave, là. Confirmé. Confirmé. J'ai bloqué un. C'est la Mimi, là. C'est elle. Dès que tu la vois, fais-moi signe. Elle est encore dans les lives. Je l'ai déjà bloqué. En fait, c'est la même personne. Dès que tu vois, tu me fais signe. Les élus, dès que vous la voyez, elle a un visage de je ne sais pas quoi là. Je n'ai pas envie de dire les loups mots ici. Dès que vous la voyez là, faites-moi signe. Allez-y, la batata, il faut les prendre. Ils l'ont fait quoi? Eh non. Franchement, à mes parents guinéens, prenez la fille là comme ça. C'est une pelle rare. C'est une pelle rare. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Jelly Kabab, une artiste avec qui tu vas faire la même scène. On se connaît ici. Elles vont venir dire, ah, celle-là va montrer à tout le monde qu'elle sait chanter que moi. Mais chez tous les autorités, on est parti. Je crois qu'on est parti même chez un monsieur et puis sa femme. Quand elle a commencé, parce qu'elle, c'est les Jelly, elle a commencé à chanter. Je suis là, je la regarde comme ça. Je dis, hé, maman, tu as gros, hein? Quand elle a fini là, je dis, j'ai fait comme elle aussi. Moi aussi, j'ai pris. Ouais! Maman, je suis content de venir chez vous. Je suis dans la joie. Quand j'ai fini là, elle a applaudi. Quand on lui a donné l'argent là, elle a pris l'argent là, elle m'a donné. Elle dit que c'est pour toi, mon amour. On nous a donné l'argent. La fille là n'a pas repris l'argent. Elle dit que partout où on est passé, elle veut me mettre en avant. C'est-à-dire qu'elle se met derrière et puis moi, elle me met devant. Même quand je me cache là, elle fait comme ça, viens ici, viens devant ici. En fait, moi, je me gênais. Va pour lui. Va pour lui. Tu as manqué de respect à ton grand frère. Ah, les enfants là, j'ai les foirapés. Tata, prends-le, enferme-le dans la douche. Hé, mon enfant dans la douche, c'est pas possible. Garde-le, faut pas l'enfermer. Je vais enfermer mon enfant dans la douche. Qu'est-ce que je dis? Je dis, Ellie, va derrière là-bas, va pleurer. Je dis que... Vous riez. Je dis, elle veut me mettre devant comme ça, devant tout le monde. Ils n'ont qu'à me voir. Elle là, elle s'est dit que, ah, c'est déjà mon fief, c'est déjà chez moi. Donc elle est venue, il faut qu'on la voie. Il a dit, il faut la voir en train de me pousser. Viens t'arrêter devant. Viens.
faut déballer tout. Il a dit, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Je ne suis pas en train de parler pour flatter quelqu'un. Hein? Je dis, il s'agit de Djeli Kababitou, la diva de la Guinée. Celle qui a chanté, on est madame, on est classe, bang, bang. Attends, je vais aller sur YouTube pour vous montrer. Je vais jouer sa chanson pour celles qui ne la connaissent pas en Côte d'Ivoire ici, là. Je vais vous parler d'elle. On est madame, on est sexy. Hey! On est toujours belle. Eh bien, sois. Ah, son nom est sorti en même temps. Djeli Kababi. Ah, la fille est belle. Voilà. Le titre de la chanson, c'est Jeune Dame. Attendez, j'augmente le son. Il est dit que la fille la chante. En fait, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Les, viens. Tout le. Qui est là? Vous qui êtes en train de dire dans live, là, va t'occuper de ton enfant, là. C'est-à-dire que vous, là-même, vous êtes aigri, quoi. J'ai envie de vous dire deux mots des mêmes familles. Je laisse ça. Mes amours, vous, elle veut dire, en fait, les femmes dans le foyer, là. Celles qui sont dans le foyer, je vous explique. C'est pas parce que tu es dans le foyer que tu vas te négliger. Tu peux être dans ton foyer, avoir Ellie qui crie dans ton oreille. Tu es débordé. Tu es, mais n'empêche que tu sois classe pour ton mari. Étant à la maison, tu peux porter un petit jogging comme ça. Un petit jogging comme ça. Avec ton petit t-shirt. Tu mets ta petite. Daisy, en plus, on a une moto de merde là. Derrière moi, je cherche ça depuis. Aucun problème. Tu vois, ma petite, c'est I love you. Tu vois, tu peux être chic comme ça à la maison. Oui, un petit style. On est madame, on est classe, ding ding. On est madame, on est sexy. Hey! On est toujours belle et bien soignée. On est toujours éclatante. Ha! On est madame, on est classe, ding ding. On est madame, on est sexy. On est toujours belle. Toujours clean, c'est ça la femme authentique. Ah! Elle veut dire à toutes nos mamans dans le foyer, même si c'est ton impagne, tu as pris pour te faire une petite robe pour porter à la maison et vaser, faut pas hésiter. Même si tu n'as pas, mais faut rester au moins clean, propre, même si c'est ton impagne, faut rester toujours clean, propre. Oui. Pendant ce temps-là, là, c'est pour les femmes qui n'ont pas l'argent. Mais il y a des femmes, là, elles ont l'argent. Et puis, elles sont bracatabra. Elles sont bouroukoutou. Elles sont... Jusqu'à, je ne dis pas. Tellement. Elle veut dire à ces femmes-là, c'est pas parce qu'on a des enfants, on a des occupations, qu'on va se laisser faire, qu'on ne sera pas séduisante en, vis-à-vis de nos maris. C'est-à-dire que depuis le premier jour, ils nous ont croisés jusqu'à aujourd'hui. On doit toujours les séduire. On doit toujours leur plaire. On doit toujours leur faire plaisir. Oui, c'est pour ça qu'elle a dit. Quand tu croises un bon mari, le vrai amour ne ment pas. Quand tu croises un bon mari, tu as la paix du cœur. Tu as la joie au cœur. Tu n'as pas d'amertume, tu n'as pas de souffrance. C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas beaucoup. Il te laisse t'épanouir, il te laisse faire ce que tu veux parce qu'il a confiance en toi, parce qu'il sait qu'il a marié, parce qu'il sait que tu es une reine, parce qu'il sait que tu es une diva, parce qu'il sait que tu es sa maman, parce qu'il sait que tu es la mère de ses enfants. Donc tu as besoin de t'épanouir. Voilà. Et dit que tu as ce genre de mari-là, tu n'as pas besoin de trop réfléchir. Tout ce que toi tu dois faire là, c'est de te faire classe belle. On est madame, on est classe, bang, bang. On est madame, on est sexy, aïda. On est toujours belle et bien soignée. On est... Quand moi, tu as me regardé comme ça, tu peux penser qu'il y a deux enfants. Et même, qui a déjà 8 ans. Tu peux penser, c'est pas Ellie qui me casse tous les couilles. Parce qu'il est bébé là. Même pas bébé, il aura 4 ans bientôt. Il aura 4 ans bientôt, et ça, il crie comme ça. Et puis les papatos dans live là, sont là. Va t'occuper de ton bébé. Va t'occuper. C'est vous qui vous occupez de lui ici, les papatos. Jaheri. Non, figure-nous. Où vient mon bébé? Non, figure-nous. Jaheri. Vous ne savez rien faire à part mettre ça là dans la vie des gens. Je suis en train de parler de ma soeur, ce que ma soeur a fait pour moi. Je suis en train de parler de mon bébé, ce que l'amour de ma fille a fait pour moi, ce que
toi, Bato qui est dans le live, là, c'est que tu peux pas faire là. Moi, l'amour de ma vie, fais pour moi. Je suis en train de parler, tu me parles de. Va t'occuper. Tu sais combien de petites soeurs, tu sais combien de petites soeurs j'ai à la maison ici. Tu sais combien d'enfants j'ai à la maison ici. Hein? Toi, te lever, ouvrir tes. Comment on appelle ça? Ta brèche, là. Ta gorge, là. Tu vois? Tu vois? Tu vois? Pour venir. Laissez-moi parler de ma vie, là. On est en train de parler d'une artiste exemplaire. On est en train de parler d'une artiste. Elle n'est pas simplement une artiste, c'est une mère. C'est une maman. On est en train de parler d'une soeur qui a bon cœur. Tu vas venir me dire que c'est mamie, c'est l'auto, c'est pas chichu, c'est pas chichu. Maintenant, dis-toi. Voilà un peu. Donc voilà, franchement, je veux dire merci à toutes les autorités de la Guinée. Franchement, ils m'ont fait comme ça. Hey! Ils m'ont fait comme ça. On dirait leur enfant, leur bébé. Quand je rentre ici, je sors. Je rentre ici, je sors. Et puis là-bas, là, vous n'allez négliger pas la Guinée. Il y a Dje là-bas. Hein? Il y a l'an là-bas. Ouh! Seigneur, je suis venu chargé de malades overline. Je suis venu chargé de overline. Vous êtes là quand vous partez dans le pays des gens, vous êtes guindés là. Regardez-moi. Je me suis joué les hé. Hey. Et ils avaient les avis. Aïe, aïe, ils avaient les sang. Alors, ah là, lo, il y a. Non. Merci à ma tata Rita Fashion. C'est la meilleure. C'est ma marraine. Hein? C'est ma marraine en Guinée là-bas. Merci à Tata Rita Fashion. Merci Tata. Merci pour ton amour envers ta fille que je suis. Merci pour ton amour envers ton bébé Roselyne Layo que je suis. Vraiment, c'est la meilleure des Tata. Quand il dit Tata, je veux ça, ça vient. Il dit Tata, je veux si, ça vient. Elle a une grande boutique en Guinée-Conakry. La boutique s'appelle Rita Fashion. C'est-à-dire que les grandes dames, les dames stylées, les dames de hey, c'est là-bas, elle tout est sa vie. Elle a vraiment. Je vais garder le secret. Je vais garder le secret. Mais j'ai des projets qui arrivent là. Où c'est ses habits, vous allez voir. Je ne lui ai pas dit. Oui, je ne lui ai pas dit à elle-même. Mais j'ai des projets qui arrivent. Pourquoi je le fais pour elle? Parce que c'est une tata qui m'a aimé sans rien en retour en fait. Elle m'a aimé comme ça. Elle m'a aimé comme ça. Et il y a plein de personnes comme ça dont je veux cacher les noms ici. Pour pas, les gens vont s'élever pour dire que non, c'est par rapport à chose, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à X, c'est par rapport à Y. Non, je veux pas ça. Voilà. On dit que quand tu as ta chose précieuse là, il faut garder ça pour toi seul. C'est ça l'importance. Mais Djeli Kababintou seulement là, je dis à tous les artistes de Côte d'Ivoire, hein, Djeli Kababintou seulement là, c'est pour moi seul. Hein. Vos bêtises là, vos bêtises où vous aimez prendre les soeurs des gens là. Djeli Kababintou seulement, faites les captures, hein, vous allez poster. Hein. Faites les captures, vous allez poster. Djeli Kababintou seulement là. Vous les artistes du monde entier là. Laissez, à part Mariamba. Mariamba, c'est mon cœur, je l'aime. À part Mariamba. Mariamba, je l'aime. Je parle des artistes de Côte d'Ivoire. Je ne parle pas des artistes de la Guinée. Ça, c'est mes soeurs. Les artistes de la Guinée. Mariamba. Et comment on appelle ça? Je parle de les autres là. Je ne parle pas de vous. Mais je parle de nous en FDO ici là. Je dis Kababine tout seulement là. Laissez-la, c'est pour moi. Je ne veux pas voir quelqu'un me l'arracher. S'il vous plaît. Le jour où vous allez commencer, on va se lancer ça en Guinée là-bas. On va se lancer ça dans les pays ici. Celle-là, c'est l'amour de ma vie. C'est mon. Je parle d'elle et puis. Et puis, j'ai la chair de poule. Celle-là, c'est l'amour de ma vie. Je veux pas. Et puis toi-même, Djeli, je vais te dire aussi. Bintou, je vais te dire aussi. Si quelqu'un est venu là-bas et puis tu as pris pour faire comme ça, là, tu vas me connaître. Tu vas me connaître. Je te dis en même temps. Je te dis en même temps. C'est toi et puis moi, nous deux. En Côte d'Ivoire ici, là, c'est moi seul. En Côte d'Ivoire ici, c'est moi seul. Nous deux. Je veux pas, hein. Tes amitiés, les gens viennent, tu fais amitié. Tu vas les charger là. Faut laisser moi, je vais rester sur ta tête. Faut pas, tu vas prendre autre personne pour m'écouter. J'ai fini de parler. Faites capture, vous allez lui envoyer. Je suis fâchée en colère. Parce que je sais que, je sens qu'on va m'arracher.
on va m'enlever à côté de toi. Je veux pas. Je veux pas. C'est moi seul. L'amour de ta vie, bing bing. Je suis l'amour de ta vie, bing bing. Ton seul bébé, ton seul amour, c'est moi l'unique. D'accord? Ok, my baby? Oh Seigneur, bon, on a fini en bonne sac maintenant. Fallait que je vous parle un peu de cette belle pelle-là. De cette pelle rare-là. Allez, Xavier! Xavier, à cause de Dieu, Xavier! Xavier! Xavier, moi-même, j'aime me mettre à genoux. Xavier, pardon, faut quitter dans mon live. Xavier, pardon. Xavier! C'est quel Xavier, ça? Xavier, pardon, faut quitter dans le live, là. Xavier, je suis à genoux. Xavier, pardon, je regarde le ciel, mes mains vers le ciel. Xavier, quitte mon live. Xavier, pardon. Faut considère que tu m'as jamais connu. Xavier, pardon, va-t'en. Va-t'en, Xavier. Xavier, quitte mon live. Je suis à genoux, Xavier, je te demande pardon, Xavier. Xavier, quitte mon live. Xavier, à cause de Dieu, mes mains vers le ciel. Mes mains vers le ciel, Xavier, pardon. Xavier, il a fini de parler, oh. Xavier. C'est mon amour. Eh hey, bébé. Qu'est-ce que tu m'envoies? Eh hey, les enfants ont papa. Oh. Eh hey, moi mon papa, oui il est. C'est le truc là. Voilà papa, tu as acheté YouPlay. Pas acheté YouPlay, pas acheté ton lait. Qu'est-ce que tu fais là? Tu me regardes quoi? On voit les sacs. C'est qui ça? Demandez pardon à Xavier de s'en aller. Allô? Pardonnez. Bonsoir. Xavier n'a qu'à partir. Je veux pas. Non. Il n'a qu'à quitter live là. Pardon. Qui Xavier, ça? Pardon. Moi, mon live là, si tu... il est parti. Ok. Dieu merci. Oui, vous êtes où? Non, si il est parti, c'est bon. Non, s'il si est parti, c'est bon. Il n'a qu'à non. Moi seulement là, je ne veux pas. Je veux pas dire. Son nom est trop gâté. Je ne veux pas. Aujourd'hui là, je vais. Vous avez vu le numéro qui est épinglé dans mon live là. Là. Eh, Daisy. Hey. Viens en faire un truc là-haut. Viens mettre numéro de truc là. Tu es parti, ça? Xavier est parti. Non, il a... oui, c'est parti. Viens. Viens, puis on va remettre le truc là. Mais tu as fait comment? C'est moi, c'est où c'est parti? Non, où tu t'en dis la dernière fois d'arriver? Je voulais là. Même pas aller, même. Je voulais pas être. J'ai dit ton secret. Mon secret, ça va? Mais pas. À cause de Dieu. Ouais, numéro là. Eh, mon âme, là, j'ai ce que j'ai mort. Non, c'est pas là où. On n'a qu'à refaire. On n'a qu'à refaire. Ça nous montre, il en a fait comment même. Eh, éternel, mon Dieu. Ma petite soeur, vous riez. Eh, Seigneur Jésus. Sticker. Non, c'est ça. C'est ça. Je veux l'autre là, où on va mettre tous les noms là. Jean pour. Hein, bon, faut, tu peux faire ça là, non? Mais c'est numéro sur ça là, c'est numéro seulement. C'est numéro seulement, on peut pas écrire autre chose. Ah, moi, je veux pas ça. Je veux tu dis, on va faire dépôt quoi? Mmh. C'est ça qu'on doit, on doit quitter dans le live, hein? Parce que toi, bon. C'est dans ta galerie ici. Toi, faut écrire chez toi là-bas, tu as envoyé ça dans ma galerie. Ah, mais on doit enregistrer. C'est juste ton WhatsApp que tu as envoyé. Quand tu cousines là, il y a un peu de temps. Comment on peut faire quelque chose dans moi? On peut envoyer ça dans sa galerie. On n'a qu'à faire ça là. Les gens sont vont, ils sont découragés de ce qu'on fait. Avec ça là. Mmh. Non, on ne peut pas. On oublie de suivre. Mes élus, le Cora est lancé. Cora, Cora, Akokoko, Akora, Cora, Cora. Mes élus, comment je peux rester sur le live là et puis mettre le numéro? Mais si ce n'est pas enregistré dans la galerie. Bon, mets le numéro pas. Direct. Ton numéro pour faire le dépôt. 0708. 88 07 08 88 38. 88 93. Oh ouais, prenez le numéro de mon grand frère. Hey. Non, hein, on dit 93.
Faut te calmer, 88 maintenant. Ou attends, 07-08-38-93-88. Je crois que ça va sortir après. Ça va prendre du temps. Avant que ça va faire. Christine, elle n'a qu'à appeler tata, tata va donner tout comme mais bébé là, il a dansé. Elle a appelé tata, elle a mis un sachet pour te voir. Tata va l'appeler. C'est moi qui suis en train de parler, tata, faut pas que tu aies m'énerver cette nuit. Elle veut parler bon, les cognés. Ah, Christine, tu es dans la cour. Ah, y'a non, non, dit tout, n'est ni, n'est ni, t'es la roiselle. Ah, yo, aïri, ani, ben. Ah, c'est les ani, coup. C'est assiri, aïe, oh, ça va, couille, bénédiction, eh. Aïe, t'es la gogne, ani, bonou, n'y est que la gogne, non, mani, oh. Aïe, t'es yugou, mais, eh. Allez, ponchat, sauf crème de visage. La gogne, j'ai crème de visage de ma maman qui est payée en France, là, tout, tout. On dit que. Comment elle s'appelle? Elle va dire de te donner que ça va aller toi. Que de te donner la crème de visage, tout, tout. Mais là, là. Eva. Eva, elle va dire de te donner que faut pas moyen pour elle. Que ça va tout, mais non, c'est que mais quoi ça peut aller toi? Eva, la gars, ça va se faire. Moi, je viens de te prendre. Non. Moi, pour moi, là, c'est un marron clair. Oh, Jofa. Viens à mon aide. Je suis en train de chercher à mettre le numéro. C'est en train de faire truc, ça va s'enregistrer. C'est en train de tourner, tourner. Ça fait pas. Ça va s'enregistrer. La pile là, faut passer. On a mis, ça va s'enregistrer. Après là, là. C'est pour toujours la détail. Je sais pas. Christine, tu as vu? Ah, viens brancher. Je vais mettre bébé là un peu. Je dois danser avec mes élus. Mes élus. Fabrice, pardon, viens déplacer cette moto de merde là. Pardon. C'est ma Range Rover là. Tata, pardon, mon mari va manger. Oh. Ouais, c'est l'amour de ma vie. Sans lui, je suis inébranlable. Sans lui, je suis quoi? Sans, mon petit frère comprend français. Sans lui, je suis ébranlable. Vous là, arrêtez de rire. Les élus qui ont voté. La personne qui a voté pour le Cora ou bien Jelly Awol, mettez les pouces comme ça, mettez moi, les menteurs là, Dieu vous voit. La personne. La personne qui a venu mettre, j'ai voté. La personne qui a mis comme ça, hé, hey, Eto. Eto, c'est là, là, il a vu comment vous WhatsApp. Ton amour pour moi a grandi, c'est temps là. La personne qui a voté n'a qu'à mettre comme ça, les pouces. Si tu mens, Dieu te voit. Qui a voté pour la Cora? Qui a voté pour Jelly Awol? Mettez les cœurs, mettez. Jelly Awol, là, c'est un peu compliqué hein, parce que je dis à mes élus. Parce que c'est tu as allumé? Parce que c'est un seul vote. Appuie le bouton rouge qui est derrière là. Je vais connecter ça là. Tu as appuyé. Merci mon cœur. Ma petite sœur est Eve, arranger les choses. Tu as ce que tu as mis? Tu as appuyé? Elle est appuyée. Pourquoi ça ne vient pas ici? Le nouveau téléphone là, vraiment. Santé, chercher toujours. Merci beaucoup, Yaya. Il y a qui d'autre encore? Merci, Yaya. J'ai vu le pouce de Yaya. Il y a qui encore? Ah, c'est venu. Merci, non, c'est pas de téléphone. Merci, Yaya. Merci beaucoup. Voilà, Christine. Qui a mis encore ma petite soeur en train de chier? Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de cadeaux. Vous là, vous dites quelque chose. Vous savez qui réceptionne mes cadeaux? C'est mon mari. Éternel, mon Dieu. Oh, c'est là. Quand mon mari voit, il dit que bébé, tu as fait live aujourd'hui. Tu as eu des cadeaux. Tu as eu ci. Tu as eu ça. J'ai dit, ah bon? La dernière fois, je l'ai appelé. J'ai dit que bébé, ils m'ont donné beaucoup de cadeaux. Il dit, on t'a donné 650 francs. Il a dit, tu avais. C'est pas ici, hein? Échec dans ta galerie et vois pas. Joue le jeu d'abord. Ma petite soeur est en train d'ennuyer mes abonnés. Voilà. C'est sorti?
C'est elle sortie, voilà si le numéro qui est là. Oh, merci pour le chapeau de Madame Loulou. Oh, il y a des filles, c'est sorti chez les gens. Vous voyez le numéro, s'il vous plaît? Vous voyez le numéro qui est en haut là? Si vous voyez, dites-moi. Oui, on voit Maman Layo. Maman Layo, comment, Madame Chewé? Madame Chewé. Layo, comment? Layo, ça appartient plus, madame. C'est Chewé.com. On voit, ils disent qu'ils voient. Vous voyez, hein, ils disent oui, Yaya dit oui. Oh, Yaya, tu es le meilleur. Je te fais un bisou, Yaya, depuis ta position. Je n'ai pas de truc ici. Flac, laissez ça là-bas. Je dois mettre quoi? Où on joue musique là, c'est quoi, Daisy? Où on joue musique là, j'ai oublié. Non, c'est pas YouTube. Quand tu vas sur chose, Amerigo. Si je mets YouTube, ça va m'envoyer à Mérigo. Va dans Mérigo, maman. Oui, c'est un nouveau téléphone pour le commerce. Un 12 Pro Max pour le commerce. Je ne suis plus là. Mais toi, tu as le son, non? Excusez-moi, mes amours, ça télécharge. Bon, attends, je vais me déconnecter. Si je vais connecter la tablette, ça va mieux. Je vais connecter la tablette. Je vais connecter la tablette maintenant. Nous mélangons, il y a pas mon pépé, nous croyons. Hey, Jelly Kababintu, l'amour de ma vie. Qu'est-ce que tu dis? Pour répondre à ton fils, ce jour. Il est fâché. Mais il ne sait pas. Il t'a fait quelque chose bien. Pour répondre, il m'a rien fait. Oh, il m'a rien fait. Pourquoi il va. Mais pour répondre, je sais pas, mon fils. Pas appuyer derrière. Mais pourquoi il va me dire? Hey, les enfants qui ne connaissent pas leurs parents, la vraie. Qui est élu de Dieu là? Élu de Dieu, c'est mes élus. Qui m'envoie message Élie de Dieu? Il va lire. Bon, ok, Christine, je cherche. Ça. Je suis en train de chercher ce qui est là, ça ne fait pas. Je suis ta plus maladie. Hey, hey. Aujourd'hui, je suis ta maladie. Je suis en train de chercher. Tu as appuyé derrière encore. Appuie encore pour voir. Oh, mes amours, vous